Qu'est-ce que t'es en train de renifler? Tu sens quelque chose, mon chien? Putain, c'est quoi ça? C'est comme si quelqu'un avait marché sur un canard en plastique. Oh, je me fais probablement des idées. L'endroit est désert la journée. Le soir, par contre, à partir de minuit, il y a du monde. Je me demande ce qu'ils font, les gens, derrière les buissons, le soir. En plus, il y a plein de plastique par terre. C'est sacrément dégueulasse. Mais toi, t'es trop vieux, hein, mon chien. T'entends plus rien. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il prend là-bas? Oh, fuck. Vous êtes sage, vous, par rapport au chien du monsieur, hein? C'est bien, mes petits chiens. Bon, je vous ai sorti, j'ai fait l'effort de la journée, maintenant c'est canapé et un bon film. Maintenant, le tout, c'est de le trouver, le film. Et croyez-moi que c'est pas une mince affaire, regardez tout ce qu'il y a. Pouah. En plus, j'ai commencé la collection des Blu-ray tard, hein? Quand je vois tout ce qu'il y a, je me dis vraiment que j'ai un problème mental quand même. Vous la sentez la douille qu'il faut que j'enlève? Oh. J'ai jeté mon dévolu sur Jurassic Park. Alors, à savoir que pour info, dans ma collection, j'ai Jurassic Park 2, que je n'ai pas spécialement aimé. Pourtant, c'est du Spielberg. Le 3, c'est pour avoir la trilogie. Il n'y aura pas de Jurassic World dans ma collection. Je n'aime pas. Voilà, pour moi, c'est pas du Jurassic Park. C'est de la merde. Donc, Jurassic Park. Pour commencer la petite histoire, on va partir du début. Avant la réalisation de son film, tiré du best-seller de Michael Crichton, publié en 1990, Spielberg habitue la population américaine aux dinosaures, notamment les enfants, avec Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles, film d'animation réalisé par Don Bluth, avec qui Spielberg s'affilie plusieurs fois en tant que producteur pour manger des parts sur le terrain de l'animation dont Disney reste le maître d'œuvre. Les films d'animation de Don et Steven prennent à contre-pied les Disney, de par certaines scènes un petit peu plus anxiogènes et crues, comme cette fin horrible dans Charlie mon héros. Ceux qui ont vu le film étant gosses seront d'accord avec moi. Regardez, et ne me dites pas que c'est pas anxiogène. La petite fille qui dort dans son lit tranquille, le feu qui envahit peu à peu la pièce, le démon dehors. Mais c'est pour les gosses! Ah ben tiens, soit dit en passant, ça me fait un peu penser à la représentation du bien et du mal dans un autre horrible dessin animé, français cette fois-ci. Mais viens ici, mais enfin, viens, on va se regarder dessin animé à Papa Gatti, les petits. Allez, mais arrête de bouger. Mais enfin, on va se regarder un dessin animé à Papa Gatti, il était petit. Les années 90 étaient clairement ces belles années d'insouciance et les gosses n'étaient pas pris pour des idiots comme maintenant. Flippant. Charlie, est-ce que je te reverrai? Bien sûr. Non. Bien sûr, ma puce. Oh, le mytho. Le revoir n'est pas éternel. Oh, Seigneur, c'était à ce point-là. Charlie, reviens. Nous avons accompli notre mission, Charlie. Les enfants seront sous antidépresseurs jusqu'au restant de leur jour. On va revenir sur la Jurassic Park, c'est mieux. Du coup, Tonton Spielberg nous sert encore un blockbuster anxiogène familial, un petit peu à l'image de ses dessins animés. Et quand je dis familial, non mais c'est familial. On va regarder les films à papa quand il était petit. Vous allez pas me dire que c'était pour les parents tout ça à l'époque? Figurines, casquettes, t-shirts et des slibards. Moi perso, mon cuir rentre pas là-dedans. D'ailleurs, pour moi, il y a deux grands réalisateurs américains. Il y a Steven Spielberg et James Cameron. Je les classe tous deux dans la même catégorie de réalisateurs. Que ce soit E.T., Rencontre du Troisième Type, Jurassic Park, etc. pour Steven Spielberg. Et pour Cameron, Terminator, Abyss, Aliens, True Lies, etc. Ils nous livrent tous deux des blockbusters avec une maîtrise de réalisation qui frôle parfois le génie. Avec Jurassic Park 1, nous sommes très loin des blockbusters décérébré qu'on nous sert depuis quelques années. Le film nous fait passer quelques messages comme Dieu détruit les dinosaures, Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures. Les dinosaures mangent l'homme,
femme hérite de la terre. C'en est un, mais je valide pas. Et il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières, c'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais la vie trouve toujours un chemin. Même en 2024, c'est toujours un régal à voir ce film. Ça m'a donné envie de me faire un petit jeu. J'ai des jeux Jurassic Park. On va se faire un jeu Jurassic Park de suite. Alors, voyons. Là, j'en ai trouvé un. C'est celui de la Mega Drive. Et le deuxième, c'est la version SNES. C'est très naturellement que j'ai choisi la version Mega Drive. Oui, la version SNES, c'est une purge. Oui, vous avez remarqué que je jouais encore avec une manette GX4000. Ça fait pas très sérieux. Vous avez raison. Là, c'est mieux. Et c'est parti, nous démarrons le game. Je vais t'enculer. Quoi? J'ai mal entendu. Attends, je vais le remettre là. Nous démarrons le jeu sur l'écran titre. Et là, tout de suite, une réplique me vient en tête. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Oh putain, non, ils enferment des logos ici. S'ensuit une très sympathique petite cinématique. Le jeu démarre à la moitié du film, quand Grant et les autres se font attaquer par le T-Rex. Pas pour une pièce pour manger, monsieur. Oh bonne mère, on se croirait au feu rouge à Marseille. Oh, je me suis trompé d'émission. Donne-moi ça, toi. Oh. On démarre le jeu avec Alan Grant, gisant au sol, telle une grosse merde. On a déjà le ton du jeu dès la scène d'ouverture. Première chose que vous faites quand vous retrouvez vos esprits, c'est ramasser des munitions. Et bien évidemment, dans la précipitation, vous serez amené à faire ça. Ah, putain! Vite, mais relève-toi et va me charger! Alors qu'en fait, il suffisait simplement de faire ça. Voilà, c'est tout. Quant au ptérodactyle, c'est toi, Grant. Mange tes morts. Et on continue les festivités après cette très charmante descente de toboggan. Connard! Non, et puis ça s'est plutôt bien passé, hein. D'habitude, il se passe ça. Conscient que leur jeu était un peu compliqué, ils ont quand même mis des boîtes à pharmacie un petit peu partout. Non, putain, mais c'était un piège! Non, je me fais avoir une deuxième fois quand même bleu! Alors, soit le jeu est trop compliqué, soit je suis une grosse brêle, ou peut-être les deux. Mais je vous laisse juger par vous-même. Grosse brêle? Putain! Merde! Mais non! Hey, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Le jeu se paye même le luxe d'avoir des bugs. Regardez là, regardez. Je peux pas bouger. Et ma jauge de vie, elle descend par contre, hein. Lève-toi. C'est trop de la merde. Quand enfin le jeu a eu le dédain de bien vouloir me laisser jouer, j'arrive sur cette plateforme là. Et quand je continue un petit peu plus loin, je suis bloqué. Je ne peux pas passer. Voilà, je ne peux pas passer. Alors qu'est-ce que je fais? Je reviens en arrière. Je me baisse pour voir s'il y a un chemin. J'en vois pas. Bah voilà, il y en avait un. Hein. Bah il y en avait un. Mais comment j'y accède? Oh putain, il me charge. Non. Allez, on va essayer par un autre chemin. Mais qu'est-ce qu'il branle? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il remonte sur cette petite plateforme? Je veux descendre. Bon, me revoilà à l'endroit où j'étais bloqué tout à l'heure. Hop. Bah merde. Bah c'est un pur hasard. Mais non. Serait-ce la sortie? C'est la sortie du niveau. Et me voici à la station électrique de Jurassic Park. Niveau qui étrangement est beaucoup moins compliqué que le premier.
Il n'est pas bien intéressant. Laissez-moi vous en faire un résumé. Touche mon cœur, c'est agréable. En ce qui concerne le troisième niveau, c'est la même merde. Allez, on y va. Oh, j'ai réussi, mais je sais pas comment. Donc, pour résumer le niveau, vous démarrez en haut d'une colline, vous descendez avec votre Zodiac le long des rapides, et pour cela, il vous faut récupérer des bidons rouges afin de ravitailler votre moyen de locomotion, afin de pouvoir le diriger dans les contre-courants, et ainsi emprunter les bonnes voies pour pouvoir descendre le long de la rivière. Et également récupérer les items. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? Les gaillards bouffés! Après moultes escapades, lors de cette très charmante sortie en bateau, livraison Uber Eats, faites. Vous croiserez la route du fameux T-Rex. Je te l'avais bien dit, je t'enculerai. C'est bon, j'ai réussi. On me regarde pas comme ça, toi. Hein. Et voilà la cascade de fin. Je suis pratiquement à la fin du niveau. Allez, on y va. Allez, dégage-toi. Ah, putain! Une fois que par miracle vous avez réussi à survivre à ce niveau du démon, vous vous retrouvez dans ce qui semblerait être une station d'épuration. Qui soit dit en passant, contient plus de vannes que toutes mes vidéos réunies. Bon, après, tous les niveaux se ressemblent. Enfin, dans leur structure, parce que si on parle des décors... Il semblerait par exemple ici que... le docteur Grant a pris la DeLorean et est revenu dans le passé. À l'ère du Jurassique. Pourtant, c'est la base même du film. Qu'est-ce qui arriverait si on arrivait à ressusciter les dinosaures de nos jours? Pouah, je vous parle même pas du niveau d'après. Comme on est à l'ère jurassique, il faut forcément... un volcan! Ah, et en plus, il est carrément dedans. Putain, ils ont vraiment rien compris au film. Allez, le dernier niveau. Non mais... attendez là. Qu'est-ce que c'est cette musique? On dirait genre une petite musique de Mortal Kombat. Eh ben dis donc, heureusement qu'ils nous ont collé des logos du film un peu partout, hein, parce que sinon on saurait pas à quoi on joue. En plus de ça, j'aime bien la façon dont a Grant d'ouvrir les portes, quand je pense que même dans le film, les raptors arrivent à les ouvrir normalement. Mais je crois que le pire du pire, c'est le boss de fin. Vous pensiez affronter le T-Rex? Eh ben mettez-vous un doigt dans le cul! À la place de ça, vous affrontez deux raptors complètement teubés, trop occupés à manger leurs congénères plutôt qu'à de remarquer votre présence. Pour ce qui en est de l'affrontement, c'est de la merde. Bon voilà, c'est de la merde. Attendez là, il s'est passé quoi? J'ai rien compris. Et voilà. Fin. Bon après, il est quand même important pour moi de dire que malgré tous les défauts que j'ai pu citer tout au long de la vidéo, qu'il s'agit tout de même d'un très bon jeu. Les studios Blue Sky, en charge du développement du soft, se sont même donné la peine de nous faire une histoire parallèle dans laquelle vous incarnez le vélociraptor avec lequel vous poursuivez Grant. Bon, bien évidemment, il s'agit des mêmes stages. Quoique, réadapté au gameplay du dinosaure, car celui-ci est plus rapide et saute très haut. Et franchement, rien que la démarche d'avoir proposé cela mérite entièrement tout mon salut. Quoi? Mais attendez! Ils ont même raté l'affaire avec le vélociraptor! Mais c'est quoi ce jeu?